Ce que j'aurais envie de dire aux autres entreprises, c'est de ne pas hésiter à se lancer. Rapidement, on se rend compte qu'on n'a que des alliés auprès des utilisateurs parce que tout de suite, ils se rendent compte du bénéfice du projet. Pascal Fournier, je suis donc le DSI du groupe Rondy, fondé en 1946. Nous sommes un acteur important du négoce de gros en France. Les enjeux dans le monde du commerce qui se digitalise de plus en plus, c'est de pouvoir fournir la bonne information le plus rapidement possible à nos partenaires. Et face à ces enjeux, rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à gérer toutes ces informations. Donc, c'était apparu comme une évidence de mettre en place des outils de ce type de façon à communiquer avec nos partenaires qui les utilisent déjà. Depuis qu'on a Quable, on sait que l'information juste, elle est dans le PIM, elle est à un seul endroit, elle est mise à jour tout le temps et c'est du bonheur. Le PIM, grâce à sa gestion multilingue, nous a permis de nous ouvrir sur d'autres canaux et notamment à l'international où la gestion des langues était indispensable. Donc les principaux changements, ça a été déjà d'avoir des informations qui sont à un seul endroit et qui partent vers nos différents canaux, qui nous permettent justement de pouvoir nous adapter à nos besoins qui changent en permanence. Et à terme, on envisage aussi d'utiliser ça pour le print. On produit encore des catalogues papier et on espère bien faire gagner beaucoup de temps à notre bureau d'études pour leur fournir des informations exploitables rapidement.